sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre programme exclusif consacré à l'actualité de l'Union africaine. À la une de cette édition, focus sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Puis, l'Union africaine appelle au renforcement de la gouvernance foncière pour une meilleure mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et enfin, l'Afrique renforce sa collaboration dans les domaines de l'investissement et du commerce avec la Barbade. On fait le point dans un instant. Une fois de plus, bienvenue dans l'African Union Journal. En Afrique, le nombre de femmes et de filles vivant dans un contexte de conflit a augmenté de 50%, rendant des millions de femmes et de filles plus vulnérables à la violence basée sur le genre. Consciente de l'impact de ce fléau sur la société, l'Union africaine exhorte les pays africains à œuvrer pour la mise en œuvre de programmes de lutte contre les violences sexistes. L'Afrique s'active contre les violences faites aux femmes, un sujet signé Joël Ballot et Johnson Jale Chamande. Comme chaque année, la journée du 25 novembre interpelle le monde sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En effet, 4 femmes sur 10 en Afrique de l'Ouest et près de 6 femmes sur 9 en Afrique centrale seraient victimes de violences selon une étude menée par le réseau des femmes élues locales d'Afrique. En 2023, les pays membres de l'Union africaine exhortent les dirigeants africains à œuvrer pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté lors de leur 36e conférence qui s'est tenue du 18 au 19 février de cette année à Addis Abeba en Éthiopie, une décision historique de négocier la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Une fois adoptée, cette convention sera le premier instrument continental de prévention et d'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Elle témoignera du leadership africain et influencera les normes mondiales en matière de protection des femmes et des filles. La situation des femmes subissant des violences ne s'estompe pas. Au Cameroun, pas moins de 107 cas ont été enregistrés entre le 26 novembre 2022 et le 25 novembre 2023. Les cas les plus récurrents sont des viols et bastonnades pouvant conduire au décès des victimes. Pour Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, il est urgent de mettre en œuvre des systèmes éducatifs et de santé visant à mettre fin à toute forme de violence sexiste et à renforcer l'autonomie économique des femmes et des filles. The Africa that we want is not a land of violence, but a resilient Africa, strong, connected, pacific, tolerant, and united. She has more need of men and women to reach that goal, and present in the favor of the gender equity and also the empowerment of women and girls. Pour réduire les violences des femmes, les experts appellent à davantage d'engagement des citoyens africains, même si les gouvernements demeurent au premier rang dans ce combat. Pour Binetta Diop, militante des droits des femmes, les États africains devraient investir davantage de fonds dans la prévention et les programmes d'aide aux victimes. Il est tout à fait vrai qu'il faut enlever les barrières, que ce soit sociales, culturelles, on les connaît. Les questions de l'excision, par exemple, c'est toujours là. Hein? On diminue le corps de la femme dans nos sociétés. Les mariages qui sont très tôt, tous ces us et coutumes traditionnels, il faut les enlever. Donc, pour enlever cela, par exemple, au niveau du Sénégal, la sensibilisation a été jusqu'à inclure les exciseuses, pour leur donner donc de l'emploi, mais aussi pour leur montrer comment ça peut être néfaste.
Les répercussions de la violence basée sur le genre sont nombreuses et sont ressenties à la fois par les victimes et la communauté tout entière. En effet, ce fléau entraîne une baisse de la productivité, de la participation sociale et économique des personnes touchées et à la hausse des coûts de santé. Une situation qui ralentit l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui ambitionne de bâtir une Afrique prospère. La violence faite aux femmes et aux filles reste la forme la plus répandue de violation des droits de l'homme en Afrique. Pour lutter contre ce fléau, l'Union africaine a mis en place un certain nombre de stratégies. Parmi elles, figure en bonne place l'initiative de la masculinité positive qui vise à inciter les hommes et les garçons à soutenir davantage le mouvement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. La masculinité positive contre les violences basées sur le genre. Un sujet signé Nana Kamsu et Stéphane Yoa. La société africaine est de plus en plus consciente du rôle que peuvent jouer les hommes pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Cette situation a conduit à la mise en œuvre de plusieurs initiatives plaçant l'homme au centre de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est le cas de la conférence des hommes sur la masculinité positive de l'Union africaine qui ambitionne de faire participer davantage d'hommes et de garçons aux efforts visant à éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles et à mettre fin aux inégalités entre les sexes. The most basic rules of humanity and solidarity appear to have been thrown out of the window, and where inequality. Les règles les plus élémentaires d'humanité et de solidarité semblent avoir été jetées par la fenêtre et l'inégalité et l'injustice accroissent. Un appel au changement exige un multilatéralisme de retour qui résonne et auquel les pays aspirent. Ils doivent respecter les locataires car ce sont les liens qui unissent les communautés. C'est ainsi que nous pourrons garantir une avancée pour les personnes et la planète. They must respect the tenants as these are the bones which hold communities together. Lors de la troisième conférence des hommes de l'Union africaine à Johannesburg, le président Ramaphosa a révélé que les hommes sont les principaux responsables de la violence à l'égard des femmes et des filles. Selon le chef de l'État sud-africain, les violences basées sur le genre constituent un frein à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour bâtir une Afrique unie et prospère. Men and boys must be at the forefront of the change that must happen. Les hommes et les garçons doivent être à l'avant-garde du changement qui doit s'opérer. Nous sommes également ici parce que nous savons qu'il existe une alternative à une société, un continent et un monde où les femmes sont opprimées, discriminées et leurs droits supprimés. Il existe une alternative et cette conférence en a présenté un certain nombre. Selon les Nations Unies, le taux de violence de genre en Afrique subsaharienne est supérieur à la moyenne mondiale. Environ 44% des femmes africaines, soit plus de 2 femmes sur 5, ont été victimes de violences basées sur le genre, alors que le chiffre global est d'environ 30%. Cette organisation souligne que l'implication des hommes dans la lutte contre la violence fondée sur le genre peut et doit être exploitée comme une force puissante au service du développement humain. If we focus on the prevention of all forms of violence against. Si nous nous concentrons sur la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, nous ne pouvons pas créer une société exempte de violence à l'égard des femmes et des filles sans interroger de manière critique ce que l'on pourrait appeler les présupposés sur le patriarcat, le mécanisme et le sexisme. Around patriarchy, around male chauvinism and sexism. À l'échelle mondiale, des campagnes telles que He for She et d'autres initiatives locales dans toute l'Afrique ont exploré des solutions innovantes pour inciter les hommes et les garçons de tous les horizons à devenir des alliés de l'égalité des sexes et à mettre fin à toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Alors que la mobilité des populations et le caractère transfrontalier de certaines ressources naturelles telles que l'eau, la terre, les forêts, pour ne citer que celles-là, se fait de plus en plus ressentir, les décideurs africains rappellent la nécessité de créer des politiques de gouvernance foncière innovantes et de bonne qualité pour pallier la situation. Pour l'Union africaine, la terre est l'une des principales ressources et le catalyseur de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Explication dans cet élément signé Marie-Raphaël Antolo et Catherine Elundo.
afin de permettre l'utilisation des terres pour donner une impulsion au processus de développement de l'Afrique. Les pays africains ont été invités à créer des politiques de gouvernance foncière innovantes et de bonne qualité qui favorisent un accès équitable à la terre et créent un environnement propice aux investissements en vue de libérer le potentiel productif du continent. Ces appels formulés lors de la conférence 2023 sur les politiques foncières en Afrique tenue du 21 au 24 novembre à Addis Abeba intervient alors que les secteurs tels que l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, les services, l'agriculture et l'agroalimentaire créent un marché unique dans le cadre de l'ASLECAF et offrent des opportunités à la fois de croissance économique et de création des réseaux nouveaux et innovants pour l'Afrique. The implementation of the AFCFTA. L'implémentation de la ZLECAF va accroître le commerce intra-africain de 15 à 20%, soit de 50 à 70 milliards de dollars. Un marché africain de biens et de services et de business et d'investissement réussi représente une opportunité majeure pour les pays africains pour booster la croissance, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion financière. Reduce poverty and broaden economic inclusion. Judith Nabakuba, ministre ougandaise des terres, du logement et du développement urbain, affirme que l'Afrique a besoin de bonnes politiques de gouvernance foncière qui renforcent les droits des femmes à la terre afin d'obtenir des résultats justes et durables pour tous. Selon la ministre, les politiques formulées doivent être visionnaires et intégrer les questions de changement climatique et de réforme des systèmes de justice foncière. In the context of land policies, Uganda. Dans le contexte des politiques foncières, l'Ouganda, avec ses divers paysages et son héritage culturel riche, tient une position unique. Notre nation comprend la relation intrinsèque entre la terre, le commerce et le bien-être de nos populations. Le directeur par intérim de la division du développement et du financement du secteur privé de la CAE, Robert Lissingué, assure que des systèmes de gouvernance foncière solides sont essentiels pour faciliter la vie des jeunes, des femmes, des communautés et du secteur privé car cela leur permet de s'engager, de bénéficier des opportunités de la ZLECAF et de la numérisation. L'actualité dans le reste du continent, c'est aussi la signature de l'accord de libre-échange tripartite COMESA, EAC-SADC par le Royaume du Lesotho. Et puis en zone CEMAC, les États obtiennent des engagements financiers de 9,2 milliards d'euros pour la mise en œuvre de la deuxième phase des projets intégrateurs. Et enfin, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réuniront le 10 décembre 2023 au Nigeria dans le cadre d'un sommet ordinaire de la CEDEAO. Le Royaume du Lesotho a procédé le 27 octobre 2023 à la signature de l'accord de libre-échange tripartite COMESA EAC-SADC. Selon les autorités du Lesotho, la signature de cet accord devrait stimuler l'économie et le commerce du pays tout en réduisant les barrières commerciales et en promouvant le développement des infrastructures pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois. L'accord de libre-échange tripartite COMESA-SADC rassemble 28 pays du COMESA, 16 de la SADC et 6 de la CAE. Et l'objectif global de la tripartite est de contribuer à la mise en œuvre du traité d'Abuja de l'Union africaine et de l'agenda 2063 visant à stimuler le commerce intra-africain et à approfondir l'intégration des marchés africains et favoriser la concurrence et aider les pays africains à devenir compétitifs et efficaces sur le marché mondial. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, a tenu les 28 et 29 novembre 2023 à Paris sa deuxième table ronde de mobilisation de financement pour les projets intégrateurs de la sous-région. Il s'agit principalement de routes, de ponts et d'infrastructures d'interconnexion électrique. Au terme de ces 48 heures de travaux, l'institution sous-régionale a obtenu des promesses de financement de l'ordre de 9,2 milliards d'euros sur un montant recherché de 7,3 milliards d'euros, soit un taux de souscription de 104%. Les 10 financements viendront s'ajouter aux 1 513,701 millions d'euros mobilisés en amont de cette table
pour le financement de ces projets. Rappelons par ailleurs que le coût global du financement de ces projets est de 8 835,875 millions d'euros selon le budget arrêté lors de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État tenue le 17 mars 2023 à Yaoundé. Le prochain sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se tiendra le 10 décembre à Abuja, capitale du Nigeria. La rencontre au sommet des chefs d'État ouest-africains devrait permettre de trouver des solutions aux crises qui secouent cette région de l'Afrique après une série de changements anticonstitutionnels de gouvernement. En effet, sur les 15 pays membres de la CEDEAO, 4 sont dirigés depuis 2020 par des militaires issus de coups d'État. Il s'agit entre autres du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée. Tous ont depuis été suspendus de l'organisation et ne seront donc pas représentés au sommet d'Abuja. La tentative de coup d'État qui a fait 21 morts le 25 novembre 2023 en Sierra Leone, autre membre de la CEDEAO, devrait, selon les experts, être au menu des échanges d'Abuja. Le dernier sommet de la CEDEAO, tenu en août 2023, avait été entièrement consacré à la situation au Niger après le coup d'État militaire du 26 juillet 2023 qui avait renversé le président élu Mohamed Bazoum, séquestré depuis dans sa résidence à Niamey. Concernant le cas... La Banque africaine d'import-export Afreximbank multiplie les efforts en vue d'améliorer les échanges commerciaux entre l'Afrique et les pays des Caraïbes. La Barbade, premier pays des Caraïbes à abriter les bureaux de la Banque panafricaine, continue de présenter les opportunités d'investissement entre les Caraïbes et l'Afrique. Le tourisme et la transformation figurent à la tête des domaines de collaboration entre les deux régions. Fraten Dachai Singa et Catherine Elundu pour les détails. Dans le cadre d'améliorer les relations commerciales entre l'Afrique et les pays des Caraïbes, qui restent relativement faibles, plusieurs acteurs s'activent pour rentabiliser les opportunités existantes. D'après les données disponibles sur le site de la Banque africaine d'import-export Afreximbank, le potentiel commercial entre l'Afrique et les Caraïbes est estimé à 16 milliards de dollars, mais il est faiblement exploité. Entre 2021 et 2023, plusieurs initiatives d'échange de connaissances ont été organisées par Afreximbank, notamment en matière de commerce et d'investissement. Il y a plusieurs initiatives que nous avons lancées dans la région des Caraïbes afin de promouvoir les échanges avec l'Afrique. Nous accompagnons également des projets qui vont dans ce sens. Les premières transactions ont déjà été approuvées et très bientôt, vous verrez qu'une part importante du portefeuille de la Banque africaine d'import-export Afreximbank a été consacrée à la région des Caraïbes. Les statistiques disponibles de la CARICOM, la communauté caribéenne, établissent à 4,4%, soit 800 millions d'euros, les échanges avec l'Afrique en 2022 sur les exportations globales de la région. À l'inverse, 2% des produits africains pour 30 milliards d'euros ont été importés dans la zone la même année. We're currently working on a direct flight between Barbados or the Caribbean and Africa. Nous sommes en train de travailler sur une ligne de vol directe entre l'Afrique et les Caraïbes et les choses bougent en ce moment. Afreximbank a déjà des bureaux à Barbade et donc cette destination n'est plus trop loin. Nous croyons fermement que la zone de libre-échange continentale africaine est une opportunité en or pour les Caraïbes également et que nous avons beaucoup de choses à apprendre entre nous. And we believe that we have so, so much to learn from each other. En 2022, le gouvernement de la Barbade et Afreximbank ont annoncé la tenue du tout premier Forum Afrique-Caraïbe sur le commerce et l'investissement actif. Il s'est tenu à Bridgetown, à la Barbade. La région des Caraïbes peut être un acteur important dans l'implémentation de la ZLECAF, selon les experts. Il y a un potentiel immense d'échanges commerciaux entre les Caraïbes et l'Afrique pour les biens et services. Nous pouvons apprendre et échanger beaucoup de choses entre nous. À la Barbade, le domaine de l'agro-industrie offre des opportunités énormes car l'Afrique dispose de nombreux produits qui peuvent être transformés chez nous et exportés avec de la valeur ajoutée. Nous pouvons aussi collaborer dans le secteur de la logistique et du tourisme. Le secteur des industries créatives, très développé à la Barbade, est l'un des plus privilégiés pour les investissements avec l'Afrique, vu que c'est un secteur prometteur, mais qui se développe encore sur le continent.
La Banque africaine de développement et l'OCDE organisent le 12 décembre 2023 un dialogue de haut niveau sur les politiques d'énergie renouvelable et de gaz naturel. Au cours de cette session, un panel de haut niveau discutera du rôle que le gaz naturel peut jouer dans les contextes des pays en développement pour assurer un équilibre entre la réduction de la pauvreté, la réalisation d'une transition verte et la protection de la planète. Cette rencontre virtuelle entre dans le cadre de la collaboration entre la Banque africaine de développement et le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique sur la mise en œuvre du cadre financement équitable pour les pays en transition reposant sur les industries extractives. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, une institution de l'Union africaine, tiendra les principales célébrations de son 20e anniversaire du 10 au 14 décembre 2023 à Johannesburg et Sandton en Afrique du Sud sous le thème « Accélérer et approfondir la réforme, les mesures et l'intervention en matière de gouvernance ». Le mécanisme sert de plateforme appartenant et dirigée par les Africains pour l'auto-évaluation, l'apprentissage entre pairs et le partage d'expériences en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Depuis sa création le 9 mars 2003, le mécanisme a enregistré un certain nombre de réalisations, notamment l'approfondissement de la démocratie et de la bonne gouvernance grâce à son processus unique d'examen et d'évaluation par les pairs. Kigali, la capitale rwandaise, abrite du 12 au 15 décembre 2023 la 5e conférence africaine sur l'agriculture biologique. L'événement est une initiative du réseau African Organic Network en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et les acteurs de l'agriculture biologique en Afrique. La conférence, organisée tous les 3 ans, se tient cette année sous le thème « Renforcer les systèmes alimentaires résilients et durables en Afrique grâce à l'agriculture biologique ». Après des exposés les 2 premiers jours et une visite de terrain dans des fermes biologiques la 3e journée, l'événement sera clôturé le 4e jour par la tenue de l'Assemblée générale du réseau AfroNet. Place à présent au portrait de cette édition. Les missions de l'Union africaine des aveugles sont assumées par le Maroc depuis octobre 2023. Mohamed Ezaoui, président régional de l'organisation Alaouit pour la promotion des aveugles au Maroc, assure la présidence de l'organisation continentale pour les 4 prochaines années. Marcel Kouassi dresse le portrait de ce littéraire marocain engagé depuis 1987 dans la lutte contre la stigmatisation des personnes en situation de handicap visuel. Selon les statistiques de l'Union africaine des aveugles, l'Afrique compte environ 38 millions d'handicapés visuels. Le Maroc, qui a été désigné pour abriter le siège principal de l'Union africaine des aveugles, prévoit d'accompagner et de soutenir les initiatives de l'organisation. Élu à la tête de l'Union africaine des aveugles en octobre 2023, le Marocain Mohamed Ezaoui, engagé depuis 1987 dans la lutte contre la stigmatisation des personnes en situation de handicap, prévoit de poursuivre les efforts de ses prédécesseurs, notamment le renforcement de la visibilité de l'organisation à l'échelle continentale et mondiale et valoriser les droits des handicapés visuels. Le premier défi, c'est comment rendre l'Union africaine visible à travers l'Afrique, non seulement pour les organisations non gouvernementales, mais par le gouvernement et par l'Union africaine. Parce qu'ils doivent s'engager avec ces organisations pour qu'ils puissent travailler, rendre service aux non-voyants en Afrique. Devenu aveugle en 1966, Mohamed Ezaoui obtient son baccalauréat option lettres en 1973, puis sa licence en langue anglaise à la faculté des lettres à Rabat. Il a occupé le poste de vice-président de l'Union africaine des aveugles et membre du bureau exécutif de l'Union mondiale des aveugles au même moment entre 2008 et 2012. C'est en octobre 2023 à Rabat au Maroc qu'il a été élu président de l'Union africaine des aveugles. On voudrait que ces gouvernements et ces responsables tiennent en compte que nous sommes des citoyens à part entière, mais ils doivent comprendre que nous
nous sommes en train de faire quelque chose qu'ils doivent eux-mêmes faire. Mais ils doivent nous aider, coopérer, nous financer, nous donner les moyens pour que nous puissions rendre service à nos citoyens. L'évolution des technologies de l'information et de la télécommunication a démontré la capacité à stimuler le progrès et l'amélioration des conditions de vie des populations. Cependant, des efforts restent à faire pour le bien-être des non-voyants. On a plusieurs possibilités d'utiliser la nouvelle technologie, Google Meet, Zoom, WhatsApp, ainsi de suite. On doit utiliser cette nouvelle technologie pour le bien des non-voyants. L'Union africaine des aveugles souhaite un changement de paradigme pour se positionner comme l'un des acteurs majeurs du plaidoyer du handicap en Afrique, en localisant ses influences et ses initiatives à travers l'Union africaine. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction d'Africa 24. Restez en notre compagnie, l'actualité se poursuit également sur le site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.